Nous sommes ici parce que depuis un certain temps, depuis le 1er mars, nous avons appris que notre président Abdallah Öcalan est empoisonné. Et nous avons demandé au comité pour la prévention de la torture d'aller sur l'île d'Imrali afin d'effectuer les examens possibles. Le comité est allé effectuer les examens, mais le comité n'a toujours pas déclaré les résultats. Alors que la Turquie dit que notre président n'est pas empoisonné, maintenant c'est au comité pour la prévention de la torture de déclarer les résultats si notre président est empoisonné et s'il peut effectuer les traitements possibles.